Bonjour, nous retrouvons aujourd'hui le lundi 24 octobre pour écouter la parole de Dieu, toujours dans l'Évangile selon Saint-Luc. Demandons aujourd'hui à l'Esprit Saint d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Pour nous faire goûter cette parole que l'Esprit Saint lui-même a inspirée aux apôtres, qui nous donne de l'écouter, de la garder dans notre cœur et d'en vivre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voilà qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans. Elle était courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit Femme, te voici délivrée de ton infirmité, et lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule Il y a six jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Le Seigneur lui répliqua Hypocrite. Chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire Alors, cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée, voici dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, comme tous les jours de sabbat, se retrouve à la synagogue et pour prier et pour écouter la parole de Dieu. Alors une femme se présente, toute courbée, possédée, comme le dit le texte, par un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans. Dix-huit ans courbée, et courbée cela signifie qu'elle ne pouvait presque plus regarder vers le ciel. Donc son attitude est très évocatrice pour beaucoup de choses. Tout d'abord cette est courbée et elle est guérie le jour du sabbat. N'oublions pas que le sabbat c'est le jour du Seigneur, c'est le jour où Dieu aime agir. C'est pas nécessairement le jour où effectivement nous devons ne rien faire. Et si dans la pédagogie divine il était demandé de ne pas travailler ce jour-là, c'était pour justement se mettre en présence de Dieu pour rendre grâce pour le travail accompli et laisser. Dieu agir dans notre vie. Et voilà que justement, cette femme se présente et Jésus tout simplement dit, Femme, te voici délivrée de ton infirmité. Alors on comprend la stupeur des pharisiens, de ceux qui sont dans cette foule et qui voient effectivement quelque chose de fait. Or, malheureusement, ces hommes ont peut-être lisent cet événement à travers un regard qui n'est pas juste, puisque la pratique du sabbat, telle selon leur conception, n'est pas observée. Alors qu'ils devraient normalement se réjouir de voir une pauvre femme courbée, infirme, d'un seul coup se redresser et se mettre et pouvoir regarder enfin Jésus en face et même regarder les autres dans le droit, dans les yeux. On, se, on devrait se réjouir, on devrait réjouir du bien que notre frère, que notre sœur qui est à côté de nous reçoit la bénédiction de Dieu qu'il a reçue, quelque chose de beau qui s'est réalisé dans sa, dans sa vie. On devrait être heureux et non pas entrer dans une forme, dans une forme de jalousie. Ah, Ce n'est pas le jour de se faire guérir, revenez à notre jour. Ça ne correspond pas au casse qu'ils avaient, si on veut parler ainsi, de, du jour du travail, du jour où Dieu veut agir. Mais Dieu n'est-il pas libre d'agir quand il veut et comme il veut, et plus particulièrement le jour du sabbat. Et Dieu est toujours en action puisqu'il nous maintient dans la création. Et cette femme, courbée, justement, se redresse. Elle a été courbée à cause de qui À cause du démon. Et c'est ce que dit Jésus. Et voilà que Jésus, gratuitement, vient à la relever. L'action à travers elle du démon c'est justement de nous courber, de nous, de nous tourner vers, le vers, la, vers la terre, ou comme diraient certaines personnes, de nous laisser prendre par notre convoitise, par nos penchants terrestres, qui fait que c'est la seule chose qui devient intéressante pour nous. Et voilà que Jésus vient libérer, vient enlever cette tendance à aller vers ce qui n'est pas bon pour chacun d'entre nous, afin de qu'elle puisse se redresser. Parce que c'est cela que Dieu attend nous, que nous soyons des femmes et des hommes qui sont droits, et droits parce qu'ils vivent dans la vérité, parce qu'ils ils vivent de la présence de Dieu, qui, est, comme on le dit dans le Notre Père, notre Père qui est aux cieux, et donc nous invite justement à nous tourner vers celui qui est en haut. Alors Jésus l'a guéri, tout simplement avec une parole et aussi un geste. Il l'a touché. C'est aussi. Déjà, le signe du sacrement, la parole et le geste. Et si certains sont froissés parce que Jésus a fait cela, une grande foule justement est heureuse parce que de voir une femme enfin guérie, une pauvre femme qui était complètement courbée d'être debout, d'être droite. Comme c'est merveilleux de voir cela Et comment ne pas rendre grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie dans cette femme et qu'il veut accomplir en chacun d'entre nous. Si nous laissons entraîner par nos tentations, par les suggestions du mauvais, eh bien, nous, tournons, nous glissons sur une pente. Et Jésus, non, n'est pas venu pour cela. Il est venu pour nous remettre debout, nous permettre de revivre ce chemin, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, marchons la suite du Christ en nous appuyant sur la vérité et la vie. L'unique vie va germer, éclater en chacun d'entre nous. Amen.